Bonjour, Sylvie Cassou-Scott, je suis donc vice-présidente déléguée à l'eau et à l'assainissement à Bordeaux Métropole et depuis 2 ans, présidente de la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Effectivement, nous avons décidé en 2020 d'un passage en gestion publique de l'eau en 2023 et de l'assainissement en 2026 avec un EPIC, un établissement public industriel et commercial qui va nous engager à reprendre en main la maîtrise de l'eau pour pouvoir avoir élaboré une politique qui soit une politique à long terme, puisque là nous allons dans la durée, et une politique qui soit sur un enjeu démocratique fort, puisque la gestion publique de l'eau signifie qu'elle revient aux citoyens, aux habitants, aux acteurs qui composent notre métropole, que ce soit les entreprises, que ce soit les agriculteurs et viticulteurs, que ce soit toutes les associations de défense de l'environnement. Nous sommes là, effectivement, dans une dynamique qui embarque un peu tout le monde dans cette gestion publique de l'eau.